J'espère que vous allez bien. Malgré les difficultés de la vie, malgré la fin de la semaine, malgré la fatigue avec une heure de sommeil qu'on a perdu, mais pour le Seigneur, on est prêt à tout parce que lui, il a donné sa vie. Il ne s'est pas privé de lui, il a donné ce qu'il était pour que nous soyons sauvés. Et c'est autour de son nom que nous sommes réunis ce matin. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que en Jésus, nous avons un ami fidèle. En Jésus, nous avons celui qui nous fortifie, celui qui est notre vrai refuge. Encore en venant, je voyais quelqu'un avec sa canette de bière, déjà tôt le matin. Il y a des personnes qui ont des problèmes et ils cherchent un moyen pour oublier tous ces problèmes. Ils s'éloignent dans la drogue, dans l'alcool, dans tellement de choses, mais qui nuisent à leur vie, qui détruisent leur vie. Mais nous, nous avons choisi la bonne part, nous avons choisi Jésus, lui qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous, nous avons choisi de nous noyer dans le Seigneur, parce que après, ça ne fait que du bien, c'est bon pour nous. Amen. Le Seigneur était bon, le Seigneur est bon, le Seigneur demeurera bon. Et nous voulons l'exprimer encore ce matin. Amen. Parfois, nous ne réalisons pas, mais tellement dans des petites choses, dans des petits détails, on croit que c'est des hasards ou des choses normales, mais c'est carrément la grâce de l'Éternel. Rien que le fait d'être ici, rien que le fait d'être vivant, rien que le souffle que nous avons. Jésus n'a pas regardé à nos fautes, Jésus n'a pas regardé à nos défaillances, il n'a pas réfléchi par amour, il s'est donné pour nous à la croix. Et cette œuvre de la croix est un don, est un cadeau inestimable, qui ne va jamais perdre son éclat. Et je voudrais nous rassurer encore ce matin qu'en venant dans la maison du Seigneur, nous sommes face à celui qui nous aime tel que nous sommes là aujourd'hui. Parfois on a du mal à venir, on se dit, est-ce que l'Éternel va me pardonner? On se culpabilise de tellement de choses. Mais aujourd'hui encore, l'Éternel nous appelle à venir vers lui. Simplement se repentir devant lui, simplement reconnaître qu'il est notre Dieu, reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes parfaits en lui. Amen. C'est pour cela que nous allons nous lever ce matin, avec la force que l'Éternel nous a donnée, le courage que l'Éternel nous a donné, pour chanter qu'il est bon. Et c'est qu'il est bon encore dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans Romains 10, 11, je pense, que ceux qui viennent à lui ne sont jamais confus. Donc soyons sûrs que lorsque nous venons devant le Seigneur, il sait lui-même où est-ce qu'il mène. Et nous sommes entre ces cinq. Alléluia. Et je sais que ce matin, il sait lui-même où est-ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous donner, où est-ce qu'il va nous apporter. Alléluia. Voilà, pensons simplement aux petites choses que l'Éternel a apportées dans nos vies. Pensons à la bonne santé, cette santé que nous avons encore aujourd'hui, que tant de personnes cherchent. Je ne dis pas que l'on est plus que eux, mais avec le peu qu'on a, au fond à l'Éternel, un culte agréable, un culte qui lui est dit, et c'est ce qu'il adore de nous encore ce matin. Alléluia, nous sommes là aussi, et nous demandons ce que dans les mains du Seigneur, demandez au Saint-Esprit d'être libre au milieu de nous, de nous aider à nous exprimer librement devant le Seigneur, et le vent de voix, nous commandons que nous sommes dans le Seigneur. Éternel Dieu, nous puissions nous voici devant toi, nous voici devant toi, pour l'Éternel. Reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes là, si nous avons le souffle, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par notre propre force, mais ce n'est que par ta grâce et que nous par ta volonté. Et étant ici ce matin, ô Éternel, que nous puissions, nous recommandons ce que ton Dieu. Ce n'est pas un culte d'un homme, mais c'est un culte qui est dédié, Seigneur de la gloire. Nous sommes réunis encore ce matin pour t'offrir un culte d'adoration, de louange qui t'est digne, ô Éternel, la reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu as compris, pour ce que tu as fait dans nos vies. Éternel, en ce jour, mon frère, ma soeur, a quitté sa demeure, ô Éternel, car on peut venir dans ta présence, pour s'éloigner, ô Éternel, pour s'éloigner, ô tu es puissant, tu es immense, ô Éternel Dieu tout-puissant. Nous avons engagé la confondre bien et de nous suivre de loin. Éternel dans leur maison, Seigneur, ça va susciter, Seigneur, d'un même esprit que nous, Éternel, souffrons sur nous, conduit par le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de clarté, l'esprit de discernement.
Descends, oui, tu es.
Thank you.
Béni soit ton nom, Seigneur, 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 béni
Alléluia.
réalisé dans nos vies. Oh, la divinité, le bon berger, qui est comme toi, le roi des cieux, la lumière, la lumière sur les chemins de je vais vous redonner le Seigneur le sourire lorsque vous la bénissez. Oh Seigneur qui est semblable à toi, tu fais un verbe le sourire au-dessus de nos têtes ce matin. Qu'avons-nous fait de plus que d'autres pour le mériter? Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta supériorité au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute énergie. Tu es immense, nos mots ne suffisent pas pour décrire ta grandeur, pour décrire ce que tu es pour nous, éternel. Mais avec nos faibles mots éternels, nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es le bon berger, que tu es le chemin, la vérité et la vie, que tu es notre raison d'être, tu es notre joie de vivre. Éternel, sans toi, que serions-nous? Sans toi, il n'y a rien, il n'y a que ténèbres, il n'y a que tristesse, il n'y a que des pleurs. Mais dans ta présence, nous sommes dans la lumière. Nous sommes entre des bonnes. Parce que tu es un Père excellent. Tu es le meilleur confident que nous puissions avoir. Tu es la plus belle chose qui puisse nous arriver, oh Jésus. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Nous te devons nos vies, oh Jésus. Parce que c'est toi qui es le maître du souffle de chacun d'entre nous. Notre raison d'être, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi et personne d'autre. Nous n'avons que toi et personne d'autre. Tu es le pilier, le centre de nos vies. Et ce matin, nous le proclamons encore haut et fort, sans crainte, sans honte, parce que nous savons qui nous avons cru. Oh Jésus.
que nous pouvons nous lever, nous allons chanter pour le Seigneur. Nous allons danser pour lui. Nous allons lui offrir une offrande de louange comme il se doit. Alléluia. Chante encore des gens libres. L'Éternel a payé pour toi et pour moi à la croix. Il a tout fait sur nous. N'est-ce pas une grâce, une joie? L'œuvre de la croix contre les victoires, c'est quelque chose qui ne perdra pas son éclat. C'est une œuvre très puissante. Alléluia. Donc, sois libre dans la maison du Seigneur. Nous allons danser. Que personne ne t'empêche de danser. Tu es devant le Seigneur. Tu es devant celui qui te donne la vie encore aujourd'hui. Alléluia. Allez, nous allons. Adonai, Adonai, Adonai.
Le Seigneur est bon, hein. J'ai une toux incroyable, je ne sais pas comment j'ai fait pour chanter. L'Éternel, il s'est arrangé les choses. Gloire à l'Éternel, est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Habitué dans la joie. Je le grand. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons écouter la parole que l'Éternel a prévue pour nous. Alléluia. Ma prière ce matin est que chacun soit disponible, que les cœurs de tout un chacun puissent vraiment être disponibles à pouvoir recevoir cette parole. Et que cette parole puisse s'implanter en chacun de nous, que cette parole puisse porter des fruits, que cette parole change nos vies. Que cette parole fortifie toutes les personnes qui sont entrées faibles ici. Que cette parole apporte de l'espoir à toute personne qui avait perdu espoir. Que cette parole apporte une bonne santé à toute personne qui est malade. Que cette parole redonne une force à celui qui était fatigué. Alléluia. C'est une grâce de pouvoir écouter la parole. Parfois nous l'écoutons juste comme ça, mais une vraie parole qui touche à cœur. Une vraie parole qui vient du Seigneur, qui est inspirée du Saint-Esprit. C'est un privilège de pouvoir l'entendre. C'est un privilège de pouvoir le recevoir. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur également de toucher, de parler, de remplir le cœur de l'instrument qui s'est choisi ce matin. Nous allons demander au Seigneur de toucher nos vies. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir vraiment entendre ce que nous devons entendre de cette parole. Recevoir ce que nous devons recevoir pour nos vies. Cette parole est importante. Cette parole est celle qui nourrit nos vies. Cette parole est notre vie. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Saint-Esprit. Prions. Éternel de gloire, nous te disons encore merci. Nous sommes encore reconnaissants d'être là ici maintenant. Pour pouvoir recevoir ce que tu veux nous donner. Seigneur, tu nous donnes ta parole gratuitement. Et c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir l'entendre, ô Éternel. Il y a tant de personnes qui sont dans des coins qui n'ont même pas le droit de parler de ton nom ou de t'entendre. Seigneur, à nous tu fais grâce. Éternel, et nous réalisons cette grâce que nous avons de pouvoir entendre, de pouvoir recevoir ce que tu vas nous donner ce matin. Seigneur, tout ce que tu nous donnes, tu nous le donnes gratuitement, avec amour éternel, et nos cœurs sont prêts à recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Bénis ton instrument, remplis-le encore de ton onction, remplis-le de ta connaissance, remplis-le de ton esprit, pour qu'il puisse parler de ta part. Au nom de Jésus. Dans la joie. Nous manifester joie. Je veux que tu le manifestes.
Parce que nous pouvons faire un exercice. Ceux qui sont dans cette rangée, nous venons saluer ceux qui sont de l'autre rangée. Si tu peux un peu bouger, nous nous levons, nous saluons nos frères et sœurs. Au monde en est grâce. Ce revoir est une grâce. Au monde en est grâce. Ce revoir est une grâce. Là, nous avons acclamé pour un homme. J'aimerais que nous puissions acclamer. Pas le roi Philippe. Non, pas le roi Philippe. Pas le président Macron. Mon produit Macron. Pas le président Félix. Mon produit Félix. Je veux que l'on puisse acclamer notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie de nous tenir devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Vous savez, se tenir devant, ce n'est pas un honneur, une joie. Mais la charge. Mais c'est une charge. Parce qu'un jour, nous avons des comptes à rendre et pas à Kolomoussala. Parce qu'un jour, nous avons des comptes à rendre aux propriétaires du travail. La raison pour laquelle. Yamwanatina. Nangai n'a pas pu rater à tout moment côté de Malibosho à Béni Azam. Pour me tenir devant le peuple de Dieu. Si Dieu ne met pas ses paroles en moi. Nangala transmettre aux uns bâti la carte. J'ai communiqué ce que Dieu a mis en moi. Afin que Kolo Moussala s'y bien Moussala. Que le propriétaire de l'œuvre se réjouisse de son œuvre. Amen. Amen. Nalingi to na temo Seigneur a pisekinga. J'aimerais que nous puissions parler au sujet d'un thème que le Seigneur m'a mis en cœur. Sur l'incrédulité. L'incrédulité. Ça, c'est le thème que j'aimerais que nous puissions partager. Église en Zambé. L'église de Dieu. Et Seigneur, nous devons savoir ceci. Zambé, oh, a béni biso, pas boni biso. Le Dieu qui nous a appelé, qui nous a choisi. Azan Zambé, oh, azan fidèle. C'est un Dieu qui est fidèle. Ceux qui ezan abatbaza fidèle na kat na mouki. S'il y a de ceux-là qui sont fidèles dans ce monde. Ezan amoupale ki Zambé la fidélité. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Zambé, oh, a béni biso. Le Dieu qui nous a appelé. Zambé, oh, a boni biso. Le Dieu qui nous a choisi. Azan Zambé, oh, azan fidèle. C'est un Dieu qui est fidèle. Azan fidèle na kat na malobana. Il est fidèle dans sa parole. Peu importe les réalités. Peu importe les réalités. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Mais essayez la carte de vie dans le bien-aimé. Dans ta vie. On croit que Zamba est fidèle. Tu dois croire que Dieu est fidèle. Zamba est fidèle que parce que Olinga est fidèle. Dieu n'est pas fidèle parce que tu le veux. Mais Aza fidèle parce que fidèle est sa identité là. Il est fidèle parce que son identité c'est la fidélité. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen. Non, la vidéo mi mama. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. D'ailleurs, nous partageons Nicolas dans l'incrédulité. J'aimerais qu'on partage au sujet de l'incrédulité. Non, mais dans l'enseignement. Normalement, c'est un enseignement. Mais non, non, quand on parle de prédication. Je vais juste subdiviser en prédication. Dans l'incrédulité, on a trois points. J'aimerais que nous puissions voir trois points. Trois points, Oyo, et on a quatre l'incrédulité. Trois points contenus dans l'incrédulité. Point la vie sur Alibosso. Notre premier point. Et Seigneur dit. L'incrédulité. Si tu écris, tu peux écrire l'incrédulité. Qui vient de Dieu. Deuxième point.
Incrédulité. L'incrédulité. Oh, ils ont pas Satan. Qui vient de Satan. Troisième point. Incrédulité. L'incrédulité. Oh, ils ont pas Moudou. Qui vient de l'homme. Dans un enseignement, maintenant, quand on a beaucoup de choses, on va se faire. Je subdivise ça. Amen. Amen. Et ce que dit, oui, bah, oui. Vous devez savoir ceci. Incrédulité. Les hommes dans ce monde ont essayé de définir l'incrédulité. Ceux-là qui ont étudié la Bible ont essayé aussi de définir l'incrédulité. Mais ma définition est déjà par rapport à l'incrédulité. Mais il y a plusieurs définitions au sujet de l'incrédulité. Mais selon Batamokili, selon le monde, incrédulité, ils disent que l'incrédulité. Et là, il y a réalité et christianisme. C'est refuser la réalité du christianisme. Et bâton, on va tenir la Bible, on va donner la théologie. Ceux-là qui ont étudié la Bible, les théologiens, ils disent que l'incrédulité, c'est retenir son cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. J'aimerais par rapport à cette définition, nous essayons d'expliquer c'est quoi l'incrédulité. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est lui qui est incrédulité. Je veux savoir que l'incrédulité. Et ça parie pour des mais où ils allaient pour empêcher ça mais agir. C'est une qui empêche que Dieu agisse dans la vie de l'homme. Incrédulité. L'incrédulité. Et ça porte mon aimé. C'est une grande porte. Oui, car ma carte la carte vie à mon. Qui se referme dans la vie d'une personne. Oui, ça lui pour empêcher ça mais à se révéler même la carte d'église. Qui empêche que Dieu se révèle même dans l'église. Oui, mais la carte d'église. Vous savez, dans l'église. Si l'incrédulité est assise. Peu importe ce que vous pouvez faire. Vous empêcherez Dieu d'agir. Parce que l'incrédulité. C'est une grande barrière. Par rapport à la réalité de l'église. Incrédulité fait la carte là-bas. Et l'incrédulité est assise dans le fidèle. On a du mal à croire au serviteur que Dieu a placé au devant. Dis-moi maintenant. Oui, ça m'a si vous ne croyez pas au serviteur que Dieu a placé au devant. Comment l'église peut voir la gloire de Dieu? Comment l'église peut aller de l'avant? Parce que quand l'incrédulité est assise dans le même pendant que la prêche, pendant que je prêche ici, si tu ne crois pas en moi, même la prédication que j'ai prêche rien à carte vie, ne va rien apporter dans ta vie. Si tu ne crois pas au pasteur Ali, si tu ne crois pas au pasteur Dika, les prédications qui vont prêcher à l'église. Et vous portez rien à carte finale. Ils vont rien apporter dans ta vie. Parce que la carte, tu es déjà barrière. Parce qu'en toi, tu as placé une barrière. Barrière, on est incrédulité. Cette barrière, c'est l'incrédulité. Il y a plusieurs sortes d'incrédulité. L'incrédulité qui vient. Par rapport aux Ali Koyoka. Par rapport à ce que tu entends. Par rapport au pasteur Ali. Par rapport au pasteur Ali. Par rapport au pasteur Takas. Par rapport au pasteur Takas. Par rapport au pasteur Aimé. Par rapport au pasteur Aimé. Il y a beaucoup de choses que tu entends. Et pour qui qu'on crée incrédulité dans la carte. Tu peux amener l'incrédulité dans en toi. On croit sous la lampe. Que tu ne crois plus en l'homme. Or, que la première bénédiction. Dans la première bénédiction. Que Dieu a déposé à l'église. On nous a battu la lingomba. Et Ali Baton a établi. C'est le genre que Dieu a établi. Parce que quand vous avez accueilli. Parce que quand Dieu était parti. A déposé Baton. Il a déposé des dons. Et ces dons-là. A déposé mon Nicolas ma bande. Il n'a pas déposé sur des rocs. Mais a déposé mon Nicolas et a battu. Il a déposé sur des hommes. Et Baton, ça va déposer Baton. Les personnes sur qui tu as déposé. Baton, les hommes ont établi la carte d'église. Ce sont ceux-là que Dieu a établi dans l'église. Et Baton, et ces gens-là. Mais pas un canal et à bénédiction la carte d'église. Ce sont eux qui sont les canaux de bénédiction pour l'église. Ceux qui passent un canal à bénédiction. S'ils sont canaux de bénédiction. Ils croient là, maman. Si tu ne crois pas en eux, comment. Ogoki kozala béni na carte de finale. Comment peux-tu être béni dans ta vie? Comment oui comment la gloire en Zamba à travers le ministère en Zamba tu as? Voir la gloire de Dieu par rapport au ministère que tu as placé en eux. Incrédulité est une barrière on est la carte de finale. Incrédulité c'est une grande barrière dans la vie d'une personne. Alors qui nous en premier point là? J'aimerais que nous puissions prendre le premier point. Tobi première incrédulité. Disons première incrédulité. Ezali kouta et pas en Zamba. Elle vient de Dieu lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Zamba. Dieu,
est capable de rendre mon incrédule. Est capable de rendre quelqu'un incrédule. Mais la limite est bisou. Je veux te dire ceci. Incrédulité dont vous parlez, Zab. L'incrédulité qui vient de Dieu. Et ça incrédulité oyo, nous avons été à dire incrédulité la carte d'amour. C'est cette incrédulité lorsque Dieu la place dans l'homme. Derrière cette incrédulité, si ma incrédulité en a, il y a une gloire qui est cachée. Et ça la kembo et batami. Derrière incrédulité nous avons bâti. Si ma kobo est conduite que Dieu place. Et ça, c'est la gloire qui est cachée. Il y a une gloire qui est cachée. Mais deuxième partie d'incrédulité. Deuxième partie d'incrédulité. Quand on aura la prédication de l'autre. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Parce que c'est tellement enseignant, moi, tout le monde. Parce que c'est vraiment un enseignement qui ne montre pas tout. Deuxième partie d'incrédulité. Deuxième partie d'incrédulité. On sait pas où tient la carte dans mon tout. Que Dieu place dans l'homme. Zabari, on tient des moutons comme incrédule. Dieu peut rendre quelqu'un incrédule. Pour mon tout, non. Pour que cette personne. Ah, ça l'a perdu. Soit perdue. À cause. À cause. Il y a vous avez un canari. Et son incrédule. Zabari peut le rejeter. Dieu peut le rejeter. À combien incrédule. Et il devient incrédule. La raison pour laquelle. Il y a moi à la tine. La quête d'église. Dans l'église. Il faut faire très attention. Aussi que ça, la kéba. Et ça, dans le moussou. Il y a d'autres personnes. Avec influence sur la quête d'église. Qui t'influence dans l'église. Peut-être que ça va rejeter. Peut-être que Dieu l'a déjà rejeté. Zabari, comme il s'est demandé ma casse. Dieu a endurci son cœur. Pour un jour, à la perte. Pour qu'un jour qu'il soit perdu. Ça, on va parler ça un autre jour. Nous en parlerons un autre jour. Mais nous aussi, la incrédulité. Nous revenons dans l'incrédulité. Oui, ils ont même la gloire ensemble et la carte qui amène la gloire de Dieu dans l'homme. Ça, après qu'on rentre dans le monde incrédule. Dieu peut rendre quelqu'un incrédule. La carte d'incrédulité, on a. Dans cette incrédulité. Ça va bien manifester gloire. Mais. Dieu veut manifester sa gloire. Tout à dit Exode. Nous lisons Exode. Exode 7. Tout à dit Exode 7. Tout à dit 1 jusqu'à 3. Exode 7, tout bandit n'a 1 jusqu'à 3. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays de l'Égypte. Merci. Qui dit Béni Saba? Zambé Apamboué Nomanaï. Awa, Zambé Abéni Moïse. Ici, Dieu appelle Moïse. Zambé Abéni Moïse. Dieu envoie Moïse. Abéni libéré Pépé Nomanaï. Il dit, va libérer mon peuple. Moïse! A qui la carte d'Égypte? Moïse va en Égypte. A qui écoute la Pharaon? Va rencontrer Pharaon. Pour Pharaon a libéré le peuple d'Israël. Que Pharaon libère le peuple d'Israël. La Bible dit ceci. Quand Moïse a commis par Pharaon. Quand Moïse arriva chez Pharaon. Moïse, avant a libéré le peuple. Moïse avant de libérer le peuple. Ça va dire qu'on est sur Moïse. Dieu commence à dire à Moïse. Ça va dire qu'on est pour libérer le peuple. Tu iras libérer mon peuple. Nous envoie Moïse de libérer son peuple. Mais ça paye un mot. Que Dieu lui-même. A dit à Moïse. Il vient dire à Moïse. Abid n'a pas endurci mon cœur à Pharaon. Il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Abid n'a pas commis à monter ma Pharaon ma casse. Il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Abid n'a pas commis à monter ma Pharaon ma casse. Il dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Le même Dieu. Nous envoie un mot. Oh, il dit à Moïse. Il envoie Moïse. A qui pour libérer le peuple. Il allait libérer son peuple. Le même Dieu aussi. Nous envoie un mot. Aïe pour bloquer monter ma Pharaon. Pour endurcir le cœur de Pharaon. Mais pourquoi ça a bloqué monter ma Pharaon? Pourquoi tu es venu endurcir le cœur de Pharaon? Pharaon! Pharaon! C'est pas qui allait monter à ma baie. C'est pas qu'il était méchant. C'est pas qui allait monter à ma baie. C'est pas qu'il voulait pas laisser le peuple. Parce que selon l'écriture. Selon les écritures. Zabalobi! Dieu dit. N'a pas commis à monter ma Pharaon, ma casse. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais ça n'est pas qu'il a commis à monter à Pharaon, ma casse. Parce que Dieu veut endurcir le cœur de Pharaon. Et là, qui l'a-t-il? Il y avait un but. Je veux dire à quelqu'un. Dieu aussi t'appelle. Dieu aussi te choisit. Il y a d'autres personnes. Même dans la famille. Même dans la famille. Même dans l'église. Même dans l'église. Même dans l'église. Même au travail. Ils ne croiront pas. Que toi tu as dit. Que Dieu t'a choisi. Que Dieu t'a choisi. Mais que cela ne te dérange pas. Dieu peut endurcir leur cœur. Mais quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que tu vois que les hommes ne croient pas en toi. Dans mon monde, quand Marie qu'on dit moi prier en ayoté. Tu vois que les hommes ne veulent pas croire en toi. Et qui qu'on va dire qu'ils ont bâti Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Et qui qu'on va dire qu'ils ont bâti en ayoté. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a abandonné. Ça va pas rendre habité dans la gloire de ma casse. Dieu peut endurcir leur cœur. Mais la ligne là, dit ça yo. Je vais te dire. Derrière ça, Simon Ango. Il y a une gloire qui est cachée. Quel moment que bon mari. Est-ce que tu peux dire amen? Oui, amen.
Derrière ça, il y a une gloire qui est cachée. Dans le travail, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Dans l'église, il y a d'autres personnes qui ne croient pas en toi. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas en toi. Dans la famille, il y a tous ceux-là qui ne croient pas en toi. Mais bien aimé. C'était la même chose avec Pharaon. Moïse allait devant Pharaon. Moïse est venu devant Pharaon. Il dit à Pharaon. Dieu m'a dit. On libère le peuple. Oh, dans l'incrédulité. Pour croire dans l'Éternel. Pour croire la parole de Dieu. C'est Dieu qui a fait parler. Nous sommes venus à l'Éternel. Mais Pharaon vient d'abord. Pharaon dit je refuse. Ça devait pas fermer mon cœur. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Bien aimé. Ce n'est pas dit que parce qu'on croit en toi. C'est pas dit parce qu'on croit pas en toi. Que Dieu n'est pas avec toi. Tu as endurci le cœur de Pharaon. Mais pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon? Parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte comme un peuple. Mais Dieu voulait miracle. Je vais dire à quelqu'un, tu vois que les choses c'est compliqué. Tu vois que les choses deviennent difficiles. Crois que derrière ça. Dites Amen à haut, tu vois. Amen, ma femme. Dieu a dit Moïse. Dit à Moïse. Que ne Moïse à Pharaon libérer mon peuple. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Le même Dieu. Zambé en amoko. Aïe, fermé mon thème à Pharaon. Il vient endurcir le cœur de Pharaon. C'est là où beaucoup de gens se posent des questions. Parce que j'ai pris. Les sorciers de ma famille ne veulent pas me lâcher. Ils ne vont pas te lâcher. D'autres ne voulaient même pas te lâcher. Mais Zambé y est moko. Dieu lui-même. Lui-même Dieu. Écoutez. Yoka. Israël voulait aller au combat. Dieu voulait détruire. Dieu voulait détruire une personne en Israël. La Bible dit Dieu a donné esprit pour qu'il ait prophétisé. Il a posé la question, quel esprit peut répondre le mensonge et prophétiser le coutume. Prophétiser le mensonge. Le but de Dieu est. C'était que qui croit que la victoire sera dans ses combats. Dieu cherchait la chute d'une personne. Je vais te dire ceci. Il y a d'autres sociétés qui vont te parler. D'autres personnes à faire des choses. D'autres personnes c'est tellement comme toi dans le problème. Derrière ça. Il y a une gloire qui est cachée. Quel bonheur que s'il n'y a pas de maladie, comment pouvons-nous l'appeler guérisseur? La dernière fois, nous sommes dans l'ancien La dernière fois, on parlait avec l'ancien dica. Ces derniers temps, j'aime bien les appeler pasteurs. Parce que. Parce que bientôt nous allons les consacrer. Ce sont des hommes qui ont atteint un niveau. Ce sont des hommes qui ont déjà atteint un niveau. Toi, soit là, l'homme de Dieu, pasteur. On parlait avec l'homme de Dieu, le pasteur. Après expliquer à ma mère, mais l'a dit, pasteur. Il m'a réalisé. Lui est arrivé, me disait, pasteur, en réalité. Quand j'ai pensé que. Tant on a coué à qui. Lorsque je suis tombé, je me disais. Et où m'élève en réalité, ça m'a pas dit. Non, en réalité, quand l'enfant m'expliquait, aïe papa, t'es m'a dit papa, non, n'a du mal à ton. Moi, je suis sorti le matin. N'a qui école, je suis allé à l'école. N'a si école, j'ai fini l'école, je suis retourné à la maison. Au coup d'ailleurs, et c'est en ce moment que je t'ai trouvé. C'est ça, je crois. Ancien Zaki Boy. Mais imaginez pendant tant de temps, imaginez pendant tous ces temps, ancien Zaki Boy, où était l'ancien? Il m'a reconnaissé, lui-même ne se reconnaissait pas. Bien aimé. Ceux qui problème des athées. S'il n'y a pas de problème, oui, bah, nous ne saurons pas que Dieu protège.
Voyez, vous avez un problème. Mais je t'annonce. Il y a un problème qui va arriver. On peut pas dire amen, c'est difficile. Amen. Que Dieu te bénisse. Ça n'a pas mon annoncé. Je t'annonce. Problème au réseau. Il y a un problème qui arrive. Tolingate. Vouloir ou pas, ça ne peut pas créer ma problème. Dieu doit créer des problèmes. Pourquoi pas créer ma problème? Pourquoi il doit créer des problèmes? Sans problème. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Zamba la puissance. Dieu n'est pas puissant. Zamba la puissance d'ailleurs. Dieu démontre sa puissance. Devant des problèmes. Bossu à Makambo. La raison pour laquelle Zamba dit Moïse. Raison pour laquelle Dieu dit à Moïse. Ok, de vous libérer peuple. Tu iras libérer mon peuple, Mais écoutez maintenant. Yokasiko. Pour comprendre que Zamba a sa puissance. Pour comprendre que Dieu a manifesté sa puissance. Moïse a dit libère le peuple. Moïse dit libère le peuple. Pharaon dit non. Pharaon dit non. Moïse a pris son bâton. C'est là où Dieu a commencé à opérer des miracles. C'est là où Dieu a bâti ma première nénio sur la carte d'Égypte. C'est là que Dieu frappa les premiers-nés. Déjà un jour, vous levez le matin. Tous les premiers-nés meurent. Comment on peut expliquer cela à la science? Dieu a démontré qu'il est puissant. Pour que Israël voit la puissance de Dieu, je vais passer par les déserts. Je vais passer par la mer rouge. Si Israël n'était pas passé par la mer rouge, vous voyez que Dieu est capable de diviser la mer. Dieu est capable de diviser la mer. Dites amen à vous. Amen. Dieu peut créer des situations difficiles. Zamba koukou. Qu'il a ma caméra passe. C'est pas dit que tu as cherché des problèmes difficiles, non. Je t'ai regardé, c'était pas dit. Parce que le pasteur a dit, Dieu a dans des problèmes. Dieu lui-même crée des chemins. Nous sommes même pas ça quand Dieu. Vous savez, nous sommes ne fais pas un chemin pour Dieu. Amen. C'est comme un frère qui m'a appelé. Moi ça mon pasteur, il a trouvé une païenne. Ça déjà dans la catéchèse. Il est déjà dans l'église. Après, il y a un passage à Corinthiens. Et il m'a donné le passage corinthien. Pasteur, je vis déjà avec une femme. Qu'est-ce dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul conseille. Pour ces cas comme celui-ci, ne divorcez pas, ne soyez pas séparés. Pasteur, ai-je mal fait? J'ai dit frère. On ne ferait pas un chemin pour Dieu. Plusieurs chrétiens. Aime bien frayer le chemin pour Dieu. Laisse Dieu frayer son propre chemin. Ne te cherche pas des ennuis. Laisse Dieu lui-même permettre des problèmes dans ta vie. Parce que derrière ça, si Malango, Dieu sait comment il va résoudre. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Deuxième point. Oyami Balé. Incrédulité où t'es pas Satan. L'incrédulité qui vient de Satan. Il y a d'autres incrédulités. L'incrédulité, Moussousou. Et Zouta. Viennent. Et pas Zamédé. Non pas de Dieu. Mais Zouta pas diable. Mais viennent de Satan. Et Zouta pas de Moussousou. Il y a d'autres personnes. Satan a commis ça à vomiter ma casse. Satan a endurci leur cœur. Satan a commis ça à vomiter ma casse. Satan a endurci leur cœur.
Ils ont du mal à croire à la parole de Dieu. Ils ont du mal à croire à la vérité biblique. Parce que Satan a retenu leur cœur. Bien-aimé, tu dois protéger ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois faire très attention. Au la keba. Tu peux être dans l'église. Mais Satan, Satan peut retenir ton cœur. Tu peux être dans l'église. Mais Satan peut retenir ton cœur. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'église. Qui ne croient pas que nous pouvons acheter un autre. Il y a des gens qui sont ici. Il y a d'autres gens qui sont avec nous. Mais ils ne croient pas nous. Mais on dit mais la bisauté. Ah, ils sont ensemble. Tu n'as pas oublié ça. Mais avec nous, il prie avec nous. Mais à nous croire que. Mais il ne croit pas que. Nous sommes capables d'acheter. Nous sommes capables d'acheter. Et à toi expliquer pendant ton motif. Tu peux pas l'expliquer. À pourquoi on a eu. Il ne croira pas en toi. Tu dois faire très attention. Ça la keba. Satan a retenu ton cœur. Satan s'y retient ton cœur. Face à la vérité biblique. Face à la vérité biblique. Face à la parole de Dieu. Face à la parole de Dieu. Même si vous priez pour lui, il ne croira pas. Il faut que Dieu lui fasse grâce. Tout à dit, Actes des apôtres. Lisons les Actes des apôtres. Actes 5, 1. Jusqu'à quoi? Actes. Oui, excusez-moi parce que c'est un séminaire, mais dans son cas, excusez-moi parce que c'est un séminaire, mais je suis en train d'aller vite. Actes 5, 1 jusqu'à 3. Actes 5, 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et rendit une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta les restes. Et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Merci. Que Dieu bénisse sa parole. On arrive à Actes des apôtres. Ici dans le livre des Actes des apôtres. Mais quand ils ont passé, ces choses se produisent dans quatre églises. Dans l'église. Dans quatre églises. Dans l'église. Église comme apôtre et bazo dirigeait. L'église que les apôtres dirigeaient. Dans quatre églises, Bayon Kanaki. Dans l'église, ils se sont convenus. Ceux qui m'ont tâté qui va bien là. Si quelqu'un vend sa propriété, et c'est grâce au bureau de soirée dans la cabine. Il doit ramener les tours dans l'église. Après dans quatre églises. Et c'est dans l'église. Non, ils vont ça par quatre. Ils seront répartis. La Bible dit. Tous se sont convenus. Mais Ezaki n'a couple moko. Il y avait un couple. Bazaki, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. C'était un couple. Ils ont vendu leur champ. Ils ont vendu leur champ. La Bible dit. Ils ont ramené le prix du vol. Ils ont ramené tel que convenu. Mais eux, ils ont mis une partie de côté. Ils ont mis de côté un peu. Lorsqu'il est entré dans l'église, l'apôtre Pierre a su Maloba. Prend la parole. À tout une question. Il lui pose une question. Est-ce que moi, y'a mon côté qui est dans la vie? Est-ce le prix que vous avez vendu votre champ? Ah oui. Il dit oui. Et écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Pierre a lobby. La version sur l'obi. D'autres versions disent. L'apôtre Pierre a lobby. L'apôtre Pierre dit. Pourquoi Satan a cagné mon thème? Pourquoi Satan a dit aussi ton cœur? Ah pourquoi Satan a cagné mon thème? Pourquoi Satan a retenu ton cœur? Satan a retenu son cœur. Parce que quand Pierre a dit tout naïf. Lorsque Pierre lui posait la question. A tout une simple question. Il a posé une simple question. Donc c'est comme si on va dire, est-ce qu'en vérité. C'est comme s'il disait en vérité. Est-ce que moi, mon côté qui est la merde. C'est vraiment le prix du ventre. A posé une question. Il pose la question. Est-ce qu'en vérité. Est-ce qu'il y a solo pensa. Est-ce que moi, mon côté qui est la merde. C'est réellement le prix que vous avez vendu. Mais dans ta conscience naïf. Dans sa propre conscience. Aïe, mais il vérité. Il savait que c'était pas vrai. Mais à Kanda qui m'ôtait manaïe. Mais Satan avait retenu. Pourquoi Satan qui m'ôtait manaïe. Pourquoi Satan a retenu parce son cœur. Parce que Satan a Kanda qui les a ôtés manaïe. Parce que Satan avait déjà retenu son cœur. Et ça n'a pas donné. Il y a plusieurs personnes. Vous avez la vérité à parole. Vous avez la vérité de la parole. Satan, c'est quand même mon Satan a déjà retenu leur cœur. Il y a des gens qui ne croient pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas. Oui, comment il a quatre dans la Bible. Il va lui expliquer ce qui est écrit dans la Bible. À toi expliquer. Même si tu l'expliques. À toi, tu as vu, pasteur. Il te dit, pasteur. Tout à l'heure, Michou. Nous avons lu. Mais. Mais moi. Je ne crois vraiment pas du tout.
Une telle personne, tu peux l'expliquer du matin jusqu'au soir. Il ne te croira jamais. Pourquoi? Parce que Satan a déjà retenu son cœur. Bien-aimé, tu dois protéger ton cœur. Tu ne dois pas te la monter, maman. Cette personne qui Satan a retenu le cœur. Ce n'était pas des païens. Ils n'avaient pas pagan noté. Et dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le début de l'Église. Au début de l'Église. Pierre lui dit. Pourquoi Satan a retenu ton cœur? Plusieurs personnes, Satan a retenu ton cœur. Avant d'aller à l'Église. Il vient à l'Église. Mais il y a beaucoup de choses. Non, comme bébé. Ah, ils ne pas y croire. Attends, ma pasteur va expliquer. Monsieur le pasteur. Attends, ma frère va expliquer. Nous croyons la parole vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à ouvrir ton cœur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ils étaient dans l'église primitive. Et dans la quatre églises. Il y a des gens dans l'église. Satan les gens endurcit leur cœur. Ici, c'est parce que Pierre a nous parlé. C'est parce que Pierre avait parlé. Mais pour nous, limité, ma nous ne connaissons pas le cœur des hommes, c'est Dieu seul qui le sait. Est-ce que toi tu crois qu'il y a quatre églises dans Satan limité, ma tu crois qu'au milieu de nous, il n'y a personne sur qui Satan a dit le cœur? Si déjà l'église primitive. L'église qui était remplie de puissance. L'église qui était remplie d'onction. Satan avait retenu le cœur des gens. Et bon, l'église allait l'eau. Et à combien plus fort que ça ne fait pas qu'il et bateau, Satan fait ma maquette là-bas. Les gens à qui Satan ferme, retient. Parce que les influenceurs dans la catégorie. Ce sont les influenceurs dans l'église. Tu dois faire très attention. Comme ça, la Keba. Moutoua il a voir par rapport à l'église. Quelqu'un qui te rapporte. Moutoua condamne la catégorie. Quelqu'un qui condamne. Qui la catégorie, il n'y a pas de dans l'église, il n'y a rien de bon. Alors, on rappelle l'église. Il ne quitte non plus l'église. Mais attends, il y a la catégorie. Il est toujours là à l'église. Bateau, il est à mettre la l'église. Les gens à qui il a raconté l'histoire de l'église. Bah, dit qu'église, Makenda. On a abandonné l'église. Son mais il est à titre à l'église. Il est toujours là. N'a pas été dans le j'ai rencontré un frère. A dit pasteur. Il m'a dit pasteur. D'une bonne émission, ma pardonnez-moi, pasteur. Là, tu n'as été découragé. Moi, si je me suis découragé, c'est à cause d'un tel frère. Et nous, on m'a dit que moi, je ne m'intéressais pas à ce qu'il m'a dit. Mais pasteur, il m'a pasteur. Ce qu'il m'a dit. Si nous sommes dans ma pasteur. Un jour, il m'a dit pasteur. Je vais éventrer le bois. Parce qu'il m'a rapporté les choses. Et que Dieu me pardonne, pasteur, ce jour-là. Maintenant, je ne croyais plus en vous. Voilà pourquoi je ne viens plus à l'église. Je dis, c'est qui ce frère? Il m'a cité le nom. Mais lui, il est resté. Il a qui mis sur l'église? Lui, il t'a fait quitter l'église. Mais il est resté. Ça, c'est pas possible. Nabi, non. Mais je me suis dit, Satan a retenu le cœur des gens. Dites Amen là où tu veux. Amen. Et ça n'a pas aidé, Satan a mal il y a plusieurs personnes qui savent. Qui m'a fait exister, ma famille. Et qui jamais n'a dit ce genre de personnes. Pierre a posé une simple question. Pierre a posé une question. Qu'est-ce que mon temps, moi, il y a beaucoup de temps. C'est le prix du champ que vous avez vendu. Même pendant que je parle là. Attends, Nazo le Baham. Son cœur est loin. Et c'est Yini. Et il est endurci. Parce que Satan a retenu son cœur. Et la matière au karamoté, moi. Mais en cette matière, l'endurcissement du cœur. Satan peut retenir ton cœur dans plusieurs domaines. Dans la famille, tu as eu des problèmes. Tu ne veux pas pardonner à ton prochain. Quels sont les chrétiens qui ne pardonnent pas? Parce que moi, avant de lui pardonner, on doit ressusciter notre maman. Es-tu chrétien pour ressusciter ta mère? Tu dois faire très attention. Satan a endurci ton cœur. Parce que pour un chrétien, pour l'amour Christ, pardonner, il n'y a pas de condition. Pardonner n'a pas de condition. Pour pardonner quelqu'un, vous en avez besoin d'exister. Tu n'as pas besoin d'exister. Vous besoin de ma condition. Tu n'as pas besoin de condition. Parce que Christ nous a pardonné. Christ a limité sa condition. Il n'a pas donné de condition. Il y a une seule condition. Condition, c'est qu'un mot que Christ nous a donné. Confessez. Et c'est la pardon, c'est tout. Confesse et demande pardon. Ici.
Mais toi pour pardonner. Parce que mon ami dit ça. C'est moi pour lui pardonner. Ouais, l'oncle qui est au Congo. C'est celui qui est à Bassan. Les deux réunis lorsqu'ils appellent. Nous rassayons, nous parlons. Une fois nous assayons. La lettre de maman. Cette lettre là. Si elle ne sort pas. Ma soeur, cette histoire ne va pas se terminer là. Tu es quel sort de chrétien? Tu endurcis ton cœur, pourquoi? Que Dieu bénisse sa parole. Zan n'a pas besoin de parler. Dernier point. Oyasuka. L'incrédulité. Kozana kondima. Selon Moto. Selon l'homme. Et ça n'a incrédulité, mon souci. Il y a ce genre d'incrédulité. Et ça, vous n'êtes pas pour tuer moi. Qui vient de l'homme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et Tali Nzambete. Ça n'a rien à voir avec Satan. Et Tali Satanate. Mais incrédulité, Oana. Mais cette incrédulité. Et je vous dis pas, Moutouyemo. Vient de l'homme lui-même. Amen. Amen. Totanina, Jean. Jean 20, 25. Jusqu'à 27. Jean 20, 25, jusqu'à 27. Jean 20, 25 à 27. Les autres disciples lui dirent donc. Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je mets mon doigt dans la marque de clou, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les apôtres étant fermés, Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Merci. Le dernier, deuxième roi, 7, 2. Et roi 7, 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas, tu n'en mangeras point. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tous ceux qui savent. L'incrédulité, c'est où t'es pas mon Dieu. Cosa la condiméoti qui vient de l'homme lui-même. Oui, première incrédulité, c'est où t'es pas Satan. Peut venir de Dieu. Deuxième incrédulité, c'est où t'as pas Satan. Deuxième incrédulité peut venir de Satan. Mais troisième incrédulité. Troisième incrédulité. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et Talin Zambete. Ça n'a rien à voir avec Satan. Et Talin Satan. Mais les incrédulités, mon Dieu. Mais cette incrédulité. Et c'est où t'es pas mon Dieu. Vient de l'homme lui-même. Ah, on a livré à Jean. Ici, dans le livre de Jean. Avant d'expliquer les choses. On nous explique. Matabou, c'est pas ça qui. Ce qui s'était produit. Tant que Christ a couvert, il passait quoi? Parce que Christ était mort et ressuscité. Parce qu'il a dit ce qui m'a mort au couvert, parce qu'il a dit qu'il mourra et ressuscitera. Et tant que Christ a couvert. Lorsque Christ était mort. Après avoir causé quoi là? Après qu'il soit ressuscité. Abimé est ma pote. Il est apparu aux apôtres. Tant qu'Abimé est ma pote. Lorsqu'il est apparu aux apôtres. Thomas a la quitté. Thomas était absent. Mais Bible est le Bible. La Bible dit. Tant que Thomas y est. Lorsque Thomas est revenu. L'apôtre m'a dit qu'on a rencontré la Bible. Les apôtres rapportaient à Thomas. M'a dit que non, maître a outil. J'ai dit que le maître était ici. Maître a séqué. Le maître est ressuscité. Thomas le Bible. Thomas dit. N'a la raison quoi, maintenant. Moi, je ne crois pas. Parce que n'est-ce pas bête à qui? Parce que dès qu'on l'a frappé. Dès qu'on l'a frappé. Dès qu'il était mort. Moi, je ne crois pas ça. L'indimité des amètres. Je ne crois pas que c'est le maître. Bible a dit que pendant qu'il parlait. Jésus a mis mes libres. Jésus leur est apparu. Oh, que parole, on a Christ à l'Obaïna Babo. Oh, que cette parole, Christ le avait dit. Et où t'as qui pas vous douter? Ne venez pas d'un homme. Et où t'as qui est pas Jésus? Elle venait de Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus n'est là. C'est Dieu lui-même. Et ça, nous sommes incrédulité, amis. L'incrédulité, c'est quoi? Et ça, qu'on voit qu'on croit à la parole. C'est refuser de croire à la parole. Donc, Christ, c'est la parole. Oh, Christ vient de l'Iloba. Abit, n'a couvé, abit, n'a couvé, abit, n'a couvé, abit, je mourrai et je ressusciterai. Mais Thomas croit en la parole. Thomas n'a pas cru à cette parole. À quoi a-t-il que Christ a reçu? On n'a pas cru que Christ sera ressuscité. Bible, le Bible. La Bible dit. Christ a dit c'est Thomas. Christ dit à Thomas. Abi Thomas. Thomas. Pour que tu crois et touches.
Thomas a touché. Il a cru maintenant que c'est Christ. Mais écoutez-moi, le Christ, c'est ce qu'il a dit. Il dit à Thomas. Thomas. Pourquoi es-tu incrédule? Bien-aimé. Incrédulité. L'incrédulité. Et sa barrière. C'est une barrière. Pour voir la gloire de Dieu. Quelle que soit la réalité, tu dois croire que Dieu est capable. Seigneur, lui maintenant, Zambé a zala makoki. Ce qui est devant toi ne dépasse pas Dieu en puissance. Réalité est en face. La réalité qui est devant toi ne dépasse pas Dieu en grandeur. Notre Dieu est puissant. Zambé a zala makoki. Il dit à Thomas. Pourquoi es-tu incrédule? Je te pose aussi la question. Par rapport à ta réalité. Pourquoi tu es incrédule? Pourquoi devant cette maladie? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable? Pourquoi la réalité de ta famille? Pourquoi la réalité de ta maison? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable? Si tu ne peux pas, Dieu peut. Amen. Parce que dans cette heure, tu fais une demande quelque part. Tu ne crois pas que tu auras ce travail. Pourquoi? Tu es capable d'en plus au Moussala. Tu es capable de donner ce travail. Enlever l'incrédulité. C'est une barrière. Et ça, une barrière. Et va empêcher gloire à Zabé, qui va empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Deuxième passage. La Bible dit. Le prophète Élisée. Il a commencé à prophétiser. Abali Kosakoul. Il dit, je vous annonce, lobby, demain, en pareille heure, à la même heure, il y aura beaucoup de nourriture dans la ville. Au moment où le prophète annonce, il y avait une forte crise dans le pays. Il y a un officier. On dit qu'il était officier. Et dans les temps anciens, les officiers du temps ancien, lorsqu'on appelle quelqu'un officier, dans le contexte de la Bible, c'était des hommes qui étaient proches du roi. On dit que cet officier, lorsque Élisée finit de prophétiser, il a écouté Élisée. Même si Dieu est dans les cieux, ouvrez les écluses des cieux pour que la nourriture descende. Et ça, carrément impossible. Et comme ça, les matins. Les incrédules. Ils empêchent ce que la gloire de Dieu se manifeste. Le prophète lui dit ceci. Ce que je t'ai dit, tu le verras, mais tu n'en bénéficieras pas. L'incrédule. Vois la bénédiction par Tu vois le progrès par mais lui reste parce qu'il habite une barrière sans les savoir. Il a érigé une barrière sans les savoir. Ce matin, ouvre la porte de ton incrédulité. Ouvre la porte là où il y a l'incrédulité dans ton cœur. Pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Quand le prophète. Lorsque le prophète était parti le lendemain, à la même heure, les paroles du prophète, les paroles de Dieu ne retournent pas. Dieu n'a pas produit les effets. Je vais annoncer à quelqu'un. Quel que soit le problème, quelle que soit la réalité, ne crois pas la parole des hommes. Ne prends pas la parole de Dieu. Au milieu de vous,
Madame, ces derniers temps au travail on a beaucoup de problèmes. Nous devons savoir gérer. On ne sait jamais. Si ce travail s'arrête. Non. La Bible me dit ceci. Là où fleurira le plan écoute, je vais te dire. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas le Dieu qui meurt. Moi, on m'a viré du travail. Parce qu'on m'a viré, je suis à prier. On retournera au travail. Au même travail. On te vire du travail. Le Seigneur te dit, tu vas retourner au même travail. C'est le même chef qui t'a viré. Tu ne reviendras plus jamais. Le Seigneur te dit, tu retourneras. J'ai parlé avec un frère. Tu peux venir. Il y a d'autres choses. Il faut croire. Tu dois croire. Parce que quand tu crois, dans ces moments-là, la gloire, ça va se manifester. Les choses dans son moussala. Le jour où je suis retourné au travail, j'ai rencontré le chef de pouvoir. Quoi ici? Yo est ce soir. Il a dit oui, je suis ici. Il dit Nazaria. Tu as fait comment? Au salut de l'Église. Il a dit je ne sais pas. N'a évité. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Notre Dieu est réel. Nous n'avons pas à dire ça. La Bible dit, quand tu crois, ce qu'on lui mine, on commence à faire mieux. Jésus rencontra Marie. Lazare a pu faire qu'il Lazare était mort et pas. Jésus est venu. À côté, ouais. Et où est-ce que vous l'avez mis? Yoga Marie, non. Écoutez, Marie, t'es mon conzi. C'est pas pour nous. On a des gens sévélis. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Avant de la commune, ça saoule. Il commence déjà à dégager l'odeur. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Une parole. Jésus avait dit quoi? Est-ce que je ne vous ai pas dit? Non, nous pas la binoté. Si tu crois, ce qu'on dit. Amen. Contrée incrédulité, Zali. Contrée incrédulité. C'est la foi. Donc Marie en réalité. Marthe plutôt. Marthe en réalité. Azaki incrédulité. Était incrédulité. Il ne croyait pas. Azaki on dit maté. La foi de Jésus. Pourquoi Jésus dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, c'est ce qu'on dit, Mikaka. Si tu crois, c'est ce qu'on dit, Mikaka. Tu verras la gloire. Au commun à Kémo. Enlevez l'incrédulité. Longola Kosana Kondima. Tu verras la gloire. Au commun à Kémo. Notre Dieu est puissant. Zamé Mfazan Angouya Kolé. J'ai dit bien notre Dieu est puissant. Zamé Mfazan Angouya Kolé. Crois à l'église, Gaïa. Ndima, crois en ton église. Je crois à l'église. Tu ne crois pas à cette église. Comment ça t'équipe? Par rapport à ta situation. Commence maintenant à réaliser portion la parole de Dieu. Maintenant, commence à réaliser la portion de la parole de Dieu. Par rapport à la réalité là. Par rapport à ta réalité. Sur réalité nous avons ça là. Si ta réalité c'est le travail. Qui dit la parole par rapport à Moussala? Nous avons l'obéi pour la Moussala. Sur réalité nous avons maladie. Si ta réalité c'est la maladie. Nous avons l'obéi par rapport à la maladie. Qui dit Dieu par rapport à la maladie?
C'est pas la parole d'un homme qui peut changer la vie du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui change. Dieu est capable. Même par rapport à tes études. Même par rapport à tes études. Dieu est capable. Mais je te pose la question. Est-ce que en toi, tu crois la parole de Dieu? Si tu crois la parole de Dieu, que Dieu te bénisse. Nous l'avons prié. Lève-toi pour que nous puissions prier. Là où il y a l'incrédulité, ici qu'on consacre la conduite mes amis, c'est difficile pour gloire et se manifester. C'est difficile pour que la gloire se manifeste. Ce qui est incrédulité, c'est qu'on dépend des pas à bateau. Si l'incrédulité dépend des hommes, c'est difficile pour gloire à Zambé se manifester. C'est difficile que la gloire de Dieu se manifeste. Tu dois enlever l'incrédulité. C'est au long de la causant la conduite. Il y a beaucoup de problèmes. À Cambozali et Bélé. Que Dieu peut créer. À quatre la famille. Dans la famille. Tout autour de toi. Tout autour de toi. Dieu peut créer des problèmes. Dieu peut rendre des gens incrédules. Pour manifester gloire. Pour manifester sa gloire. L'incrédulité aussi. L'incrédulité. Peut venir de Satan. Peut lever tes mains. Nous adorons Dieu. Pendant que nous adorons, commence à prier, bien-aimé. Frère Trésor nous aide. Nous entrons dans l'adoration. Élève tes mains, bien-aimé. Bible dit la parole de Dieu. Ne retourne pas sans avoir la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est réelle. Voilà ma parole de Dieu. Dis-moi le Banazam. Tu verras la gloire de Dieu. Lève tes mains. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Vas-y, 300 d'incrédulité. Ça va monter 300 d'incrédulité. Incrédulité qui vient de Dieu lui-même. Incrédulité qui vient de Satan. Incrédulité qui vient des hommes. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est fidèle. Alléluia. Thank you.
Le Seigneur est parmi nous. Anina conduit prière et l'esprit. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Guilain, à prier pour l'église. Il va prier pour toute l'église. Seigneur, pour la incrédulité. Et le Seigneur enlève l'incrédulité. Tu peux être dans nos cœurs. Et le Seigneur a manifesté gloire. Et le Seigneur manifeste sa gloire. Pendant que l'homme de Dieu se prie, pendant que l'homme de Dieu prie, bien aimé, ouvre ton cœur. Il nous dit que le Seigneur accompagne la prière de Jésus. Je crois que le Seigneur est parmi nous. Il dit que Kola Zakat n'a pas besoin. Il va accompagner la parole de ses serviteurs. Tu peux te lever et demain, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier. Cette parole ne vient pas de notre frère que nous connaissons, mais cette parole vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, si tu as insisté sur l'incrédulité, c'est parce que tu connais ce qui se passe dans nos cœurs, Seigneur, par rapport aux hommes de Dieu ici à l'église, par rapport à l'église et par rapport à nous-mêmes. C'est pourquoi, Éternel, d'un commun accord, nous venons au-devant de toi. La Bible nous dit: celui qui confesse ses péchés, et nous croyons que l'incrédulité est un péché. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, d'un commun accord, nous venons, Éternel notre Dieu, auprès de ton autorité pour supplier le pardon toute l'Église, Seigneur notre Dieu. Ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas là, toi tu connais ce que nous avions médité dans nos cœurs, par rapport aux bien-aimés à l'Église, par rapport aux hommes de Dieu que tu as établis, et par rapport à nous-mêmes. C'est pourquoi, Éternel, après avoir entendu ce message, nous venons auprès de toi pour que tu nous pardonnes, Seigneur notre Dieu, et que nous puissions, Éternel notre Dieu, croire ce qui est le contraire de l'incrédulité. Et la Bible nous dit: tu n'aimes pas les incrédules, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi que nos cœurs puissent être transformés en sortant de ce culte. Éternel Dieu Tout-Puissant, comment pourrions-nous t'adorer si nous avons l'incrédulité au-dedans de nous? Oh, même Sarah, le jour-là, quand tu es passé chez eux à la maison, elle a manifesté l'incrédulité. Lorsque tu avais lancé la promesse d'Isaac en disant: l'an prochain à cette même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, sera enceinte. Mais la Bible nous dit, elle était dans la tente, dans la maison, elle a ri au-dedans d'elle. Elle a manifesté l'incrédulité. Seigneur, aie pitié de nous et purifie nos cœurs afin que nous puissions nous croire nous-mêmes entre nous et aussi, Éternel, croire à l'action de cette Église. Quoi que les moments difficiles traversés, mais nous voulons croire que tu es le Dieu qui relance les choses, qui restaure les choses, Éternel. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message. Purifie nos cœurs et que nous puissions réellement être un spirituellement sous l'autorité des hommes de Dieu que tu as établi au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi proclamé. Amen. Nous allons prendre l'autorité maintenant. Il y a pour chasser. Esprit de l'incrédulité, on va te prendre la carte d'église. Esprit d'incrédulité qui nous emmène dans les églises. Je sais ce que je dis. Aïe de la zone. Je sais ce que je dis. Prends l'autorité. Sois bon conduit. Chasser l'esprit d'incrédulité dans l'église. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus,
Vous pouvez passer devant. Nous allons côté l'aimer là, esprit incrédulité dans la carte d'église. Nous élevons contre tout esprit d'incrédulité. Force incrédulité dans la carte d'église. La force de l'incrédulité dans l'église. Les pasteurs, nous allons passer devant. Pasteur aimé, tu peux passer aussi. Sois concentré, bien-aimé. Force incrédulité dans la carte d'église. La force de l'incrédulité dans l'église. Ma salle n'a pas besoin d'être établie. La salle de Dieu que tu as établi dans cette église. Alors, il faut soit autorité. On prend l'autorité. On a esprit d'incrédulité. Je suis l'esprit d'incrédulité. La carte d'église, mais la guerre à chrétien. L'église est dans le cœur des chrétiens. La guerre à ma servante. Dans le cœur des servants. La guerre à ma serviteur. Dans le cœur des serviteurs. On a établi la carte d'église. Tu l'as établi dans cette église. On a menacé esprit ou non. On a menacé cette église. Tu n'as aucune autorité dans cette église. Serviteur de Dieu, prie au nom de Jésus. Personne qui engage l'église. Notre pasteur Ali. Notre pasteur Ali. À vous faire la prière. On va faire la prière. Mais mettons s'accorder la prière. Accordons-nous à sa prière. Le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est dans la carte de la mission. Il sera la diable qui peut démarrer la carte de la mission. Les œuvres du diable ne peuvent pas démarrer. Le diable est en train de faire son travail dans la carte de l'église. Le diable fait son travail dans la carte de l'église. Endurcit le cœur. Le diable est révélé, ça condamné. Il dit tout ce qui est révélé est condamné. Nous accordons la prière. Nous accordons à la prière. Il y a collège des anciens. Collège des anciens. Au Bahouti Kossala. Et pasteur, la mission Adali pour engager des ministres. Adali pour représenter collège. Qui représente les collèges. Adali pour ça la prière. On va faire la prière. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que chaque fois, Seigneur, tu nous réponds au travers de ta parole. Amen. Seigneur, tu dis que si nous avons, Seigneur, de la foi comme la Seigneur, ce grain de s'élever, nous dirons à cette montagne de se déplacer. Seigneur, aide-nous à avoir cette foi, Seigneur, qui croit en toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Thomas, Seigneur, dans ta parole, qui voulait voir avant de croire, Seigneur. Tu dis, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci. Parce que nous savons que l'ennemi vient pour nous entraîner dans l'incrédulité. Mais ce matin, nous voulons le résister par une foi ferme. Nous voulons dire, Seigneur, que ce que toi tu dis, tu l'as accompli.
En ton nom, Seigneur Jésus, nous proclamons la victoire sur l'incrédulité. En ton nom, Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur, que notre foi va encore aller de l'avant. Amen. Nous allons augmenter dans la foi et voir encore de grandes choses. Amen. Seigneur, dans nos vies, dans l'Église, dans ce pays. Oui, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui nous parles. C'est toi, Yeshua Messiah, qui vient au secours de notre incrédulité. Et c'est toi qui nous aide à croire en toi. Parce que rien n'est impossible, Seigneur, à ceux qui croient en toi. Amen. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous soutient. Et tu es celui qui soutient le monde. Et ta parole, Seigneur, vient pour nous fortifier. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour ce temps merveilleux. Béni soit ton nom pour ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Remplis encore son dépôt, tu as ton parole de sagesse et de connaissance. Et nous voulons aussi, Seigneur, être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Mais garde-nous fidèles à toi. Garde-nous dans la foi. Et que toute la gloire te revienne. C'est en ton nom, Seigneur Jésus. Nous nous disons gloire et louange en ton nom, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Merci que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre pourvoyeur, c'est toi, Éternel. Toi qui donnes, Seigneur, la semence au semeur, Éternel, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour ce bon moment, Éternel, où nous venons pour te présenter, Seigneur, notre Dieu, Éternel, le fruit de notre travail, Éternel, où nous venons, Seigneur, notre Dieu, t'offrir avec un cœur joyeux, Père de gloire, ce que toi tu nous as donné, Seigneur, ce que toi tu as mis dans nos mains, Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi, Père, nous prions, Seigneur, que cette offrande, ô Dieu des armées, Seigneur, que ce fruit de libéralité, notre Dieu, soit béni au nom de Jésus-Christ. Éternel, que tu bénisses, notre Dieu, la source Yahweh-Zabé, au nom de Jésus. Que tu bénisses, ô Dieu des armées, à travers cette offrande, Yahweh-Zabé, les familles, Seigneur, au nom de Jésus. Que tu guérisses les malades, Yahweh-Zabé, papa. Que tu te souviennes, Yesu Masia Mokozi, Seigneur, notre Dieu éternel, Yahweh, de cela, ô éternel, Seigneur, qui donne pour l'avancement de ton œuvre éternelle. Notre Dieu, s'il te plaît, papa, que ta main, que ta grâce, Yahweh Zambé, soit avec eux, Seigneur notre Dieu, afin que Yahweh, Seigneur éternel, qui puisse encore donner plus, Yahweh Zambé, ô notre Dieu. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux-là qui avaient envie, qui voulaient donner, Seigneur, mais qui n'ont rien eu, éternel, s'il te plaît, que tu te souviennes d'eux, Seigneur, de ceux qui n'ont pas de travail, de ceux qui souffrent, éternel notre Dieu, Père, s'il te plaît, étends ta main, notre Père. Seigneur, et ceux-là aussi, Père, qui avaient endurci leur cœur, ô Dieu des armées, pour ne plus donner. Seigneur, s'il te plaît, je te prie de toucher leur cœur, Seigneur notre Dieu. Qu'avec la parole que nous avons écoutée ce matin, Seigneur, qu'ils puissent ouvrir leur cœur, notre Dieu, afin d'apporter dans ta maison, Seigneur, pour que rien n'y manque, ô Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et offrir avec joie? Voici mon roi,
te glorifier, te magnifier, le Dieu créateur de l'univers. Juste pour rappeler qu'on doit essayer d'inviter les gens de venir dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. C'est là où, dans la maison du Seigneur, notre Dieu nous fait beaucoup de bien. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le programme de la semaine, n'oubliez pas, demain, intercession de 18h à 20h, pour ceux qui peuvent se joindre en présentiel ou en ligne, si vous ne pouvez pas être là. Mercredi, n'oubliez pas le programme des mamans. De 18h à 20h également, et jeudi, notre soirée d'enseignement. Alors, il y a deux jeudis plutôt, en avril, en mai, où on ne sera pas ici, parce que généralement, les jeudis, on est ici. Il y a deux jeudis, on se rend dans la petite salle, parce que les propriétaires de l'espace ont une activité, ils nous ont demandé s'ils peuvent occuper la salle deux jeudis. On vous donnera les dates exactes. Voilà, je pense pas qu'il y a une annonce particulière. Les anniversaires. Y a-t-il des gens qui fêtent leur anniversaire, qui ont fêté la semaine passée ou cette semaine? Ah, il y a un grand monsieur. C'est ton anniversaire? C'est mercredi. Alors, le temps de vous demander pour toi. Est-ce qu'il y a votre anniversaire? Ah, Ali, oh, c'est ton anniversaire. Quand lundi aussi, ok. On va appeler pour toi aussi. Quelqu'un d'autre anniversaire? Non, ok. Mais toi, tu te pourras appeler pour un billet également. On va appeler pour nos deux enfants qui ont fait leur anniversaire. On va aller demander la grâce du Seigneur. Amen. Nous allons prier pour vous. Seigneur, je te remercie de nos enfants pour la grâce que tu nous fais, papa. Les enfants marchent avec toi. Les enfants aillent vers l'enfant, Seigneur, avec toi. Sois celui qui demande de l'onction spéciale. Il les préserve du mal, Seigneur, dans ce monde. Sois celui qui les accompagne, Seigneur, dans l'onction de Dieu. Et sois celui qui a conduit ton projet dans leur vie. Nous te recommandons, Seigneur, nous voulons prier pour leur avenir. Nous voulons, Seigneur, ta seule vie, se aider en tout dans le plan que tu as tracé pour leur vie. Sois leur bouclier et leur protecteur, parce que tu es notre Dieu. Que la gloire te regarde. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, Seigneur. Nous allons debout, c'est votre film de l'homme. Je chante un peu et remercier le Seigneur pour sa présence parmi nous ce dimanche. C'est une grâce pour nous d'être encore là. Amen, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Oh, la roche du Seigneur. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu.
Merci.